Salut les gens, c'est Cern, on se retrouve sur Repas Universalis 4 à Coulm, et le but c'est de se faire un max de thunes. C'est vraiment, vraiment, il y a l'aspect conquête là, mais on va bloquer. On n'aura jamais le temps de tout prendre. Pourquoi? Parce qu'on n'aura jamais. On n'est pas assez fort, nos armées sont pas puissantes, etc. Il y a une seule façon de contrer ça, et c'est l'objectif depuis le début, c'est d'avoir plein, 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 plein de. Comment ça s'appelle? Oh, c'est marrant. Plein de mercenaires. Ici, il y a 7000 indigènes, d'accord. On va prendre ça, on va aller se foutre sur les indigènes. Et ensuite, on va prendre celui-ci. Et on va aller se mettre en bas au sud. Je voudrais faire une petite guerre africaine. Je peux demander à mes alliés de venir intervenir en Espagne. Je peux pas leur demander d'intervenir en Afrique. Ils iront pas. C'est trop loin. Ça commence à être compliqué. Donc, il faut que je fasse mes guerres en Afrique tout seul. Donc, je vais ramener mes troupes en Afrique. Voilà. Pas plus. Tout simplement, en fait. Ici, c'est pareil. Ça va être une troupe africaine. Probablement une troisième ici. On va la mettre ici, en fait. Pour qu'elle soit prête à attaquer Tombouctou. Non, non. Je ne veux pas qu'on améliore mes relations avec Warzangi. Ni même améliorer mes relations avec Kiev, qui est en train d'être annexé. Et qui ça se passe très bien. Je voudrais par contre faire des revendications. Ici. 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 On fera ça plus tard. Où est-ce qu'on en est? Il est en train d'attaquer quelqu'un, lui? Ardabil, Transoxiane et... C'est moi, ça? C'est lui? Il s'embête pas. Il fait la même guerre que moi. C'est gonflé, quand même, ça. On va s'arrêter là. Hop. Non, on va s'arrêter là, là. On va l'aider là-bas. Très bien. Donc, on va continuer à essayer d'augmenter nos revenus. Pour cela, il va falloir annexer l'Angleterre aussi, bien sûr, hein, parce que c'est bien beau de dire qu'on va tout amener à Gênes, mais tout ce qui va à Gênes, en fait, passe par ici, pour tout le nord. Donc, si on n'annexe pas l'Angleterre, eh ben, ça sert à... on n'aura pas ce qu'il nous faut ici. Après, ici, il y a... Non, la Bohème, elle a qu'un tout petit peu. Hein. On peut passer, nous. Hein. Ok. Donc, on va continuer avec nos... J'en mettrais peut-être bien un là. Ouais. J'en ai un là, déjà. J'en ai un là. Un là. Pas vraiment. Puisque tout ce que je peux envoyer est déjà envoyé automatiquement. En fait, ce qu'il faut, c'est que je mette là où je veux orienter. Là, ça part automatiquement là-bas. Là, par exemple. Voilà. Là, pour le coup, je suis obligé. Car là, très bien. Et ici, pas besoin, pas besoin. Euh, 54% quand même, donc on va mettre un petit pour le principe. Allez, on continue. Connacht, c'est pas mon problème. Ça me fait penser, tiens, que on est en trêve avec toi. Ok, l'Espagne vient. L'Espagne vient. Alors, on pourrait attaquer. Pour attaquer comme ça, la Serbie. L'Ottoman vient pas. Venise, Ashanti, Corse. Vous voyez, bah on les fera quand on pourra cocher Venise. Ok, très bien. On va se mettre en défense ici. Là, on est en train d'en ramener un deuxième. Là-bas, puis un troisième. Puis un quatrième, je crois. Pas encore. Donc là, voilà. Non, on se met en défense.
Ouais, un quatrième, ça serait bien. On va en mettre un ici. Ah, c'est reparti, tiens. C'est quand même tout petit là pour le coup, hein. Un petit peu décevant. Bon, Kiev, hein. Ça va faire du bien, Kiev. Hein. Ça nous enlèvera notre relation en trop. Ah ouais, d'accord. C'était les prémices. On va y aller, hein. On continue. Qui est-ce qui veut me donner son pays? La Corse. Bof, 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 hein. Mon personnel sur la Corse, je sais pas si c'est super rentable. Toi, est-ce que tu as des revendications? Aucune. Uniquement sur l'Ottoman maintenant. Et un petit peu sur le Yémen, je crois. Voilà. Ok, là on a tout pris. Alors, Hormuz, je te propose une paix où moi je prends toutes les côtes pour commencer. Et ensuite, eh ben je prends tout le reste. C'est pourtant vachement sympa comme paix ce que je te propose. On va en négocier quand ton partenaire là, il aura plus cher. En la Russie. Dis-moi réellement ce que tu peux prendre. Ok, tout ça. Déjà pour commencer. Donc on va commencer par là. Russie. 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 Russie, Russie. C'est honteux que la Russie a ce petit logo là comme ça avec les ailes en l'air, alors que moi je le même mais avec les ailes en bas quoi. C'est vraiment nul. Je pense qu'il va falloir que j'explique à la Russie qu'on échange nos logos. Droit de douane, j'ai dit que je ne t'accepte pas, jamais, personne. Merci, au revoir. Mais oui, que de succès pour les conversions. Allez, on réduit un petit coup? Ouais, c'est toujours ça. Hein. Les forteresses, j'en ai quand même beaucoup trop là encore. Mes peines, je ne veux pas. Brême, je ne veux pas. Parce que Brandebourg, il me fait pas peur en vrai. Hein. Où est-ce que j'en vois d'autres? Ok, combien je dépense maintenant? 40, c'est encore trop cher. Celle-là, j'en veux pas non plus. Ça, c'est pas moi. Il n'y a pas les petits traits autour. Alors, ça, il n'y a pas les petits traits autour. Ces deux-là, je les garde. C'est à moi, ça? La supprimer. C'est quoi ça? Berne. Ok, je pense qu'on a bien économisé là. 27, très bien, on passe à 292. Voilà, je voudrais qu'on reste au-dessus des 300. Parce que je voudrais pouvoir commencer bientôt à upgrader lui. Alors, je ne peux pas l'upgrader, lui. Hein.
Du coup, on va le remplacer par un upgradable. Je ne sais point qui, par exemple lui, le même. Plus tard. Que ça coûte très cher, hein. Faut plusieurs milliers pour l'upgrader. Donc faut un jeune déjà, hein, pour commencer. Délit. Oui. Jusqu'au dernier, tenez la position, défense d'effort, super. Est-ce qu'on l'a pris ça? J'aimerais bien qu'on aille le prendre. Voilà. Les aléas du négoce. Perdre 4000. Bah non. Bah non, je perds pas 4000. Non, mais je suis pas contre le principe de gagner un point de mercantilisme, mais pour 4000, c'est un peu cher. Je négocie bien, mais pas à ce point. Ok. Combien on gagne là en commerce? 200. Par contre, en production, on a 255. Bah oui. Hein. J'arrête pas de faire des ateliers, donc... Hop, 257 du coup. En muse, il est élevé, je sais pas pourquoi. Ok. Alors là, ça donne quoi? On va exposer les trucs, 17. C'est parti. Parce que j'aime pas ça. Déjà, j'aime pas avoir des colonies. Alors, si en plus, il faut que je me tape des chieurs. Voilà, tu restes là ensuite. Ou alors tu vas venir ici plutôt. Top. Non, tu restes là. Pour protéger mes trucs. Comme ça, s'il y a des gens à embêter, tu seras proche de ce qu'il faut. Toi, tu vas venir ici. Voilà. Et il y en a un deuxième qu'on voit. Ouais, on va le mettre là, c'est parfait. Toi, tu restes dans le coin. Tu vas aller contre les Ottomans bientôt. Alors Mousse, ça y est, tu t'es détendu, t'as compris que c'était mort. Non, bien sûr, tu veux pas. On a le temps. Il y a un moment où tu vas dire que c'est fichu. Vienne reçoit un siège, ouais, pourquoi pas. Ah! Et voilà, concession au clergé. Ça c'est trop bon ça. Oh bah oui, ça. Non. Un responsable, non. La méritocratie non plus. Ah oui. Oui. Non. Diplomatique, oui. Avec plaisir. Responsable, méritocratie, non. Ignore la corruption, oui. Diplomatique, prendre parti au Parlement, oui. Soutien populiste, non. Oui. Trouver un responsable, non. Ben dites donc, soutien diplomatique, oui. Administratif, oui, mais pour les moins 15% de coûts d'annexion, regardez, caf, bon, là on prend cher, on va se mettre proche de l'ottoman. Où est-ce que je peux me poser là? Voilà, là où je vais, c'est très bien. Ok. Intégration de Kiev. Très bien. On en est où, Hormuz? Ça y est, tu fais moins ton malin. Non, mais je veux bien t'essayer des trucs, hein, Hormuz. Ok, pas encore. Ça, c'est pour la Russie. Le petit aigle. Non, le gros aigle. Le bel aigle.
Ouais, alors on va aller dégommer ça. Puis après on va aller là-bas. Pardon. En ouf machin là. On va y aller. Hein. Puis on va revenir. Alors, Hormuz. On a encore des petits trucs à prendre là. T'as une petite question, toi, t'avais pas de... Non, ça c'est chute, d'accord. Je crois qu'on a tout, hein. Ok. Les bateaux. On a un port sur des 140 qui est sous blocus. Panique pas non plus, hein, truc. Ok. On a beaucoup d'emprunts, hein, quand même, encore. On va alterner un petit peu. Qu'est-ce qui occupe pas la patinette? Ah, d'accord. Bon, Hormuz, je vais te proposer un territoire de plus. Parce que c'est moi que je suis gentil. D'accord, 85. Et là, 91, d'accord. Bon, bah. Oh, les équidémies. Alors, il va se faire dévaster, le Wurtemberg. Tombouctou. Fabriquer une revendication. Hop là. On va continuer, hein. Suivant. Un peu la période. C'est ma période africaine, voilà. Je suis en pleine période africaine. On va rester un petit peu là, 2 secondes. On est bien là, ici. On est au chaud. Alors j'aime bien quand il y a des technologies. Et encore en plus quand c'est de la militaire. Par contre, on est toujours en retard, donc ça me fait plaisir qu'à moitié. Cavalerie charge et frontalier, quand même. Sauf que je veux quoi, moi? Je veux. Là, c'est tout pareil. Donc là, j'ai 3-2, 3-2. D'accord. Ouais. 3-2, 3-3. C'est mieux ça. En combat. Faire des dégâts. Hein. On a le surnombre, donc faut faire des dégâts. On aura toujours le surnombre, je pense. Peut-être y a pas un moment où tu vas me lâcher une paix, toi? Je veux bien te laisser Ibra. Iliwa. Mais c'est les côtes, c'est pour moi. Je peux pas te les laisser de toute façon. Hein. Donc après, voilà, désolé, mais c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'où? C'est quoi? C'est Kiev. C'est Kiev. C'est des Strelsby. Province demande un siège, mais tout le monde veut un siège de toute façon. Hein. Oh! Bon. Faut faire la paix. Hormuz, désolé. Si je peux pas tout te prendre, c'est pas grave. Je te pardonne. Ça m'embête quand même un peu là. Non, ça m'embête beaucoup. Ça aussi, ça m'embête beaucoup. Mais tout m'embête beaucoup là. On va faire un sacrifice. Voilà. Ouais, ça sera pour plus tard. Alors, Transoxiane. On a déjà donné tout ce qu'on pouvait à la Russie. On va commencer par le prendre. Ok. De toute façon, faut tout donner à la Russie parce qu'on peut rien prendre pour nous. Et là, faut avancer vers là. Occupé par Ottoman.
Ah oui, d'accord. J'imagine que ça complique les choses. Voilà, 92. Bon, au moins 49, ça me plaît. La Russie, bonne chance. La Transoxiane, elle est plus que là. On a les Kazakhs, Bachir. On n'a plus de guerre, donc on va... Attendez, je regardais combien on est. Déclarer des guerres, je pense. On va quand même d'abord essayer de remonter notre truc parce que là on est vraiment mal. Ah là on est qu'à 91. Hein. Oh là là, c'est la panique. 91, c'est terrible. Hop. 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 De toute façon on va être loin des 109. Hein. On est à combien? 95, bon bah. Parfait. Oh, il y a un méchant là. On va y aller. Parce que c'est un séparatiste. Ça me plaît pas beaucoup. On va se mettre là. Non, on va se mettre ici. Là. Là, c'est chez moi. C'est mon chez moi à moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on n'a rien. Là on a la France, ça progresse la France. C'est pourquoi? Faut que je clique là-dessus pour savoir si tu veux. Hein. En fait, ça me dérange pas. Ah bah on sait pas parce que t'es à moins 49. Ok ok. Bon, alors là. On a du monde, on va rester là. Ici, on va pouvoir déclencher la guerre avec la Serbie. Venise, tout ça. Oui. On va pouvoir déclencher la méga guerre quand même. Par contre, on gagne pas assez de sous. Je sais pas si j'avais déjà dit. Comment je fais pour l'intégrer? C'est quand? En 39. Ouais, bah on a le temps. J'y vais intégrer qui avant? Probablement personne. Aussi, aussi, aussi. Je vais intégrer Mamelouk. Bientôt. Bientôt, bientôt. On va vérifier. Donc, on a Ainu. Non, Géorgie, Mamelouk. Donc, ça sera Géorgie ou Mamelouk. Hein. Parce que nous, pour l'instant, il n'a pas encore servi. Géorgie, je pense que... Ah, je voudrais pas dire de bêtises, mais Géorgie, je pense qu'elle nous a donné tout ce qu'elle avait. Hein. Ça sert à rien de la feed non plus pendant 3 siècles. Là on est bon. Ici, on va continuer. Ok. 1, 2. Alors, Serbie. Si je te déclare la guerre, tu emmènes Ottoman, mais non. Venise, Ashanti, Corse. Corse, Ashanti, Serbie. Venise, Ashanti, Serbie. Et c'est quoi les Ashanti en vrai? D'accord, c'est... ça. Non, c'est juste ça, d'accord. Et les Ashanti, si je te coche... Ah, on emmène Nup. Bah, voilà, Nup, c'est ça. Ah non, Nup, ça m'intéresse pas, on va pas cocher les Ashanti. Par contre, est-ce que je vais les vassaliser? Je sais pas. Voilà. Est-ce qu'ils ont des trucs dans le coin? Ah, pas vraiment, hein. Dahomey, Kong... Tombouctou, ah Tombouctou, faudrait le vassaliser. Hein. On va voir ça juste après. Donc, Serbie, c'est parti. Déclarer la guerre. Je coche Venise, Corse. Et il faut que je ramène mon... Ah, déjà Ashanti là. Comme ça. Et je vais aller chercher
le petit bonhomme qui va être là. Aura. Pour envahir les petites îles, parce que c'est bien de petites îles qu'on parle. Ok, ensuite, l'Espagne. Il faut que j'attende avant de lui déclarer la guerre, j'imagine. C'est trop tôt pour toi. Ah, là j'ai un machin là. Envirez-moi tous les 16 billes. Ils sont trop laids avec leur truc gris là. Berk. Et puis bah, on va faire une toupie là. Le siège de Stockholm, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors ensuite là. Alors dis-moi, si j'attaque le Brandebourg maintenant. Ah non, non, ça, les gens, ils ont pas le droit de mourir. Hein. Interdiction complète et totale de mourir. ...676 hein, pour le booster là quand même. Hein. Alors on y va. Si j'attaque lui, Brandebourg. Qui vient? L'Espagne vient. L'Espagne vient. Ok. Et si j'attaque Espagne, Brandebourg et Livonie viennent. Ok. Ça m'arrange pas. Il y a eu un bateau. Il y a 15 000 hommes l'autre quand même. Hein. Oh, et puis la Serbie, elle est sortie de chez elle. Elle est furieuse. Alors, je vais pas m'occuper de Serbie et de Venise ici. Hein. J'espère quand même que... Mes sbires vont s'en occuper comme il faut. Les Tunisiens... Pourquoi ils sont pas contents, les Tunisiens? Qu'est-ce que ça leur fait de... C'est quoi, le kef? Le kef, c'est nul que tu sois pas content, en vrai. Ok. Du coup, quoi? Du coup, le kef, on va envoyer ça, tiens. La petite crotte qu'elle a. Alors, Tombouctou. Hop, c'est parti. Ça donne quoi là? On n'a pas fini, hein. On a gagné une bataille. Ah bah ça tombe bien ça. On a gagné. Façon de, c'est façon de parler, on a gagné, hein, parce que... Ouh. C'est vraiment une façon de s'exprimer. Il sert à Belgrade. Ouais, mais ça va pas, non? Qu'est-ce que cette histoire? Qu'est-ce que ce délire des Serbes à Belgrade? Où voit le monde? Non, alors si tu pouvais éviter de capturer des galères. Hein? Merci. Voilà. Hop. C'est parti. Tu fais comme si j'étais pas là, tu recommences. Mais sans la galère, quoi. Voilà. Ouais, bah Venise, il fait des trucs, hein. Mal, hein, c'est un Vénitien. Oh, l'Ottoman, il est chaud, là. Il est chaud, il le sent, c'est pour bientôt. Alors, je veux pas te décevoir, Ottoman, mais je crois que je vais faire l'Espagne d'abord. Après, rien n'est gravé dans le marbre. On peut très bien switcher, si tu as besoin qu'on switch. Hop là, on est à 0,58 pour 300, 300 c'est pareil, 0,16 par contre on gagne vraiment très peu. C'est tellement énorme ces buffs là, je clique deux fois, je gagne plus 1. Ah, on a gagné un siège déjà? Oui. On peut pas la légitimer, donc du coup on va suggérer ça.
Et ensuite, on va aller là-haut, faire la fête à Tombouctou. Une province de mon assiège. Alors, moi, j'ai quand même un Constantinople. Je veux savoir quand je donne des sièges comme ça. Ah, mais c'est bien pour moi. Ça fait pas baisser l'absolutisme. Ah, c'est mieux que quand je les donne, du coup. Hein. C'est très nettement mieux. Ah, on a géré les petits rebelles Mamelouk. Parce que Mamelouk, il peut pas s'en occuper tout seul. Il est pas assez grand, il est pas assez fort. Avec tes 52 000 hommes, là, tu vas pourchasser les autres. Bonne chance. Ok. On est à combien, là, de gains? 193, c'est vraiment super faible, hein, le commerce. Hein. Les forteresses, on est bien. Les conseillers, ça va. Conseillers, ça va pas. Faut booster celui-là. Faut le passer à 4. J'ai besoin de gagner plus. En plus, l'intégration de la France, je suis à 5, quoi. Elle se fera jamais, la truc. Hein. Allez, hop. Vous allez venir ici. Ok. Ah là, j'ai un Tombouctin. Je vais lui courir après. Ah, je peux pas passer. Bah, je vais m'occuper de Tombouctou en premier. Et puis toi, tu vas aller ici. Hop. Et ici. Du coup. Non, on va rembarquer. Pas tout de suite. On va attendre. On va déclarer la guerre à Kildare. Hop. Serbie. Mais la Serbie est. Elle est partie chercher la Serbie, quoi. Scandale. Ok. J'aimerais bien pas trop traîner avant que ma guerre contre l'Espagne, là. Je me suis embarqué dans deux petites guerres, petites, avec des petits gains. Il faut absolument que la guerre contre l'Espagne soit déclenchée avant, avant tout de suite. Bon, là, on n'est pas trop mal, quand même. Surtout que Tombouctou, il a décidé d'aller à la pêche, au moule. Oui, c'est sûr que ça va pas l'aider beaucoup. Hein. On va retourner ici, d'où c'est chez nous. Non, on va retourner ici. Mais oui, Salzbourg, tout le monde a le droit à son siège à la province. Je regarderai un petit peu sur internet s'il y a des contre-indications à faire ça. Pour l'instant, je le fais. Les Tunisiens. On va monter. Tu vas venir me chercher, toi. Même pas. On va pas monter. On va revenir ici. Parce que là, je pense que on peut aller s'occuper de Tombouctou. On n'a pas une troupe de 40 qui pourrait faire l'affaire. Non, pas vraiment, en fait. On n'a pas de troupe de 40. Ah si, on a celle-là, là. Ça a repopé, là. Ok, Corse. Donc, tu vas aller dans les bateaux. Hop, comme ça. T'es bien dans le bateau. Ça y est. Il a décidé d'exposer ici pour faire des conquêtes. Qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que j'ai vu passer un bateau. Pas sûr de moi, hein, quand même. Quoi? Mais on n'est pas dedans? Attends, on n'est pas dans la guerre quand il déclare la...
Et j'ai pas de Casus Belli. Mais genre. Ok, mais ça va se régler après, ça. Reconquête. Le grand malade. Corse. Avec ta permission, j'aimerais bien la Corse. Voilà. Là. Alors là, je vous félicite pas pour votre technique. Donc 1-5 qui fait ça. 1-7-5 qui va faire ça pour ma part. Et là, hop. Mais vraiment, je vous félicite pas parce que c'est pas une super méga technique. Hein. En plus, on a pris Tombouctou. Tombouctou, il va m'envoyer un truc bien fait. Bien vite, bien vite. Oh, ça pique, ça pique, ça pique. Ça pique partout. Ça pique beaucoup trop, à mon avis, pour lui. Les Tunisiens, ça donne quoi? Ça donne qu'ils vont se soulever. On envoie quand même. C'est où le soulèvement là? C'est juste le CAF? Ok. On va l'emmener au café, ça va largement suffire. Ok, maintenant on va tout remettre ici, puis après on remet tout dans le bateau. Hop, tout le monde dans le bateau, s'il vous plaît. Oh, il a des troupes lui. La grosse blague. C'est vraiment pas sympa. Ah bah pardon. Désolé du dérangement. À un moment j'ai cru qu'il avait des troupes. Kilda. Paix blanche, tu me proposes? Non. Grande-Bretagne, diplomatie, demander la paix à la Grande-Bretagne, mais tu veux pas? Bon, on va attendre, hein, c'est pas pressé. Tombouctou. Salut mec, est-ce que tu veux être mon vassal? Merci, ça me plaît. Ok, on en a trop des relations. On va être obligé de supprimer quelqu'un. Qui veut mourir? Hop là. T'as des revendiques qui permettraient de faire des petites guerres sur des gens. Sympa. Et Yahoo viendrait en plus. C'est parti. On va voir s'il y a du monde là. Alors, ça va sur le bateau. Ça va au Kef. L'Espagne, c'est pour bientôt l'Espagne. Hein. Vous inquiétez pas, ça va arriver. On fait 2-3 Ming contre Ottoman. Vas-y, fais-toi plaisir. Khorasan, Yémen, Khorasan. Yémen, Khorasan, c'est une très bonne idée. Vous êtes rigolo, comme tout. Kildare, maintenant, tu veux bien? Ah, là. Faire une revendication de machin chose. Non, trop tard. Ici, peut-être, alors. Apparemment, on aurait tué quelqu'un. On peut le temps de bien voir. C'est méchant. En tout cas, c'est très méchant, tu dis genre. Teke. Hop, un petit réseau d'espionnage, parce qu'après tout, on est côte à côte. Est-ce que je suis en guerre contre quelque chose dans le coin? Oui, il y a un méchant là-bas. Ça, c'est un pays à part entière, ça, ou pas du tout? C'est Venise, hein? Rigolo. On va se diviser quand même, parce que je pense qu'on peut gérer à un demi. On va tout mettre là quand même, sur le fort. C'est un fort, c'est méchant les forts. Là, on va remonter dans notre bateau. Et on va aller se prendre une tôle. Une méga tôle. Ici. Très bien, on va quand même demander à lui de nous couvrir. On va convertir des mondes, 100%, tout va bien. 2600, petit emprunt peut-être. Très bien, on est à 312 maintenant, c'est déjà plus raisonnable. Coût des régiments plus 5%. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, j'ai du mal à lire, ça devait être moins 5%, c'est écrit en vert. Ok. Bon, la Serbie, est-ce que quelqu'un l'a contré?
Oui, la Serbie est contrée. Kildare, tu fais la paix? Tout à fait. Et le fric? T'as failli oublier de me donner ton fric. Et qui est con? Merci. Au revoir, Kildare. Venise, 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 Venise. Qui c'est que j'attaque, moi? J'attaque. D'accord, j'attaque un truc bizarre. J'attaque la Serbie. Bah, c'est Venise maintenant qu'il faut. Qu'il faut négocier. Salut, Venise. Comment ça va? Toc, 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 toc. Combien tu me prendrais pour tout ça? Une centaine, un petit peu cher. Il y a des trucs que je peux donner à d'autres? Probablement pas. Bon, quoi que ça, je pourrais peut-être leur caser aux Français, ça. Il n'y a pas une revendique dessus? Pas vraiment, en vrai. Ah, notre dernier pouvoir! Aspiration à la liberté et l'indépendance. Bah, on n'en a pas de problème pour l'instant. Donc, avantage de l'artillerie contre les forts, c'est bien. La marche ne coûte rien, je m'en sers pas. Engagement naval global. Mais je pourrais m'en servir. Hein. Permet d'ignorer la distance de légitimation. C'est bien ça. Des gardes d'artillerie. Aspiration à la liberté et l'indépendance sur le continent. Hop. Très clairement, ça, pour l'instant. De toute façon, le prochain arrive bientôt. Hein. Hop là! Aïe, aïe, il arrête de m'embêter. Encore un emprunt à rembourser. Encore un emprunt. Allez, c'est parti. Venise, Venise. Suspense. Est-ce qu'on va se prendre une déculottée? Est-ce qu'on va se faire manger tout cru? Est-ce que j'ai au moins pensé à mettre mes flottes dessus? Oui, tout à fait. Allez, go. Là, je suis super motivé. Alors là, si tu me les défonces, je suis pas content. Parce qu'ils sont mais au taquet motivés grave. Les Serbes, ils se sont fait becter, hein, ils sont en train de courir. Les Vénitiens, ils sont en train de courir. Là, bon, je sais pas trop ce qui se passe ici. Il y a du monde, en tout cas. On va demander aux gens de s'en aller, là. Hop. Un qui va là. Un qui va là. Et puis, bah là, on reste à faire le siège. La France, elle a déjà conquis ça, mais elle a fait comment? Je sais pas. C'est une technique... de Ninja. Ok, alors ma petite bataille là, on en attend des bonnes nouvelles. Parce qu'il y en a une deuxième pareille à faire après, alors. S'il vous plaît, soyez motivés, les Tunisiens. Alors là, oui, d'accord. Et puis toi, bah là. Hein. Combien en deux temps? Un petit bout là. Qu'est-ce qu'on a encore? Yao à faire? Bah, c'est très bien, Yao. La bataille, un jour, elle a lieu. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Je vois pas comment on peut gagner, mais c'est pas grave. L'important, c'est de la faire, la bataille. Ah non, mais... Vous êtes un peu trop à me demander des sièges, là. Je commence à m'inquiéter. Je me dis que ça va me coûter de plus en plus cher, les réformes. D'accord, j'ai pris une province. C'est là, rien d'étonnant. Ok, on va voir si on peut aller prendre une province ici. Alors, ma bataille. Encore une bataille. Ouais! On est devenu des super Power Rangers. Bah oui, hein, tu peux pas les te cacher, mec. Tu peux pas les te cacher. Alors, Venise. Venise, 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 Venise. Au français, l'autre. Comme ça, là. Ça me coûte pas plus cher. Ça, je crois que ça me coûte exactement pareil cher, en fait, en vrai. Du coup. Garder pour moi 107. Sans 102. 107, voilà pareil. Ok, je prends tout. Quelqu'un a des revendiques là-dessus? Tu permets que je regarde ta province? Grèce. Et là? Non, personne. Et là? Espagne. Oui, bon, voilà. On va se passer de ça. Et apparemment, j'occupe des trucs, hein. Eh ben ça m'occupe pas. Ok. On monte dans le bateau. Oh, Gaou. C'est pas une... Bah si, c'est une... Donc on va reformer la méga troupe, puis on va les tout combattre. Toi, on va y aller par là. Et puis les autres, vous y allez direct parce que c'est plus court. Toi, tu vas te diviser par deux. Parce que tu le peux. Toi, tu vas te diviser par deux. Parce que tu le vaux bien.
Voilà, on y va. Est-ce qu'on est en grand bateau là bientôt? Alors là, normalement, je suis censé contrecarrer les Tunisiens. J'ai l'impression que je les contrecarre qu'à moitié là. Hein. Bon, ça va quand même. Hein. Ah, ils vont peut-être péter. Hein. S'ils sont motivés, on va mettre en mode. C'est moi le chef. Voilà, je sais pas quoi dire moi. Hein. Je sais pas jusqu'où ils vont, moi, les Tunisiens, mais normalement ils sont calmes là. Voilà, bon, et puis en plus on va te renforcer. Hein. Ah, je rigole. Pourquoi j'ai pas de manpower, je comprends pas. Là, que je refasse un peu de mercenaires quand même. Hein. Bon, là il y avait des troupes, pareil. Bon, le bateau il accoste. C'est protégé ça par 30 bateaux et ils sont coincés en plus. Bon, protéger le commerce en gêne. Merci, ça me fera un peu de sous. On va faire un petit combat d'abord. Gagné! Et hop, tu montes dans un bateau. Et tu vas voir là-bas si je suis. Toi là, ici. T'as toujours pas dompté les paysans du coin. Ouh! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ces bêtes-là? Yao, Kong. Kong, je suis pas en guerre moi contre. Ah si, c'est Kong. Je me disais que c'était un peu facile. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais vous dire. C'est vraiment pas grave. Dis-moi, Venise, qu'est-ce que tu me cèdes? Tout, pas tout. Rien du tout. Tu veux pas que je demande un truc sans avoir la forteresse des environs à tous les coups? C'est un peu le blabla habituel. Ok. Bon, bah, va faire des trucs là-bas, c'est pas grave. Moi, je vais débarquer ici avec mes 23 hommes. Certains diront 23 000, mais la réalité, c'est qu'ils étaient que 23. Simplement, les Vénitiens n'ont pas supporté cette déroute. Et ils ont prétendu qu'on était 23 000. Bien, ça va là? On est 170 000. Non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, on est 250 000 pour tuer les trois Vénitiens. Alors, rassurez-moi, on les a eus? Je crois qu'on les a eus, hein. Bien joué. Vous avez trois Serbes ici. Si vous avez 250 000 bonhommes à déplacer, n'hésitez pas. Hein. Ok, on y va. Petit peu de fric. Parce que le fric, c'est ma vie. Allez hop, va voir Yao aussi. Ah, ou carrément, bah oui, remonte par là, tiens, bah écoute. Je suis pas du tout choqué, il ne servira plus. Ouais, tu sers plus à rien, tu sers plus à rien que je t'utilise. Oh, c'est la guerre. Alors là, je vais te dire, tu tombes vraiment mal, mec, parce que j'ai un pro du nettoyage qui est dans le coin, là. Tu le verras même pas venir. Il est là, il fait ça, 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 il gère tout ça. Voilà, il gère tout ça. Jusque-là, là, j'ai un autre produit nettoyage qui va gérer. Voilà, hop, tout ça. Comme ça c'est réglé. Bon, comment tu t'appelles? Kong. À quel moment tu ne proposes pas de me donner 2-3 babioles? T'as vraiment des revendiques sur tout ça, toi? T'es vraiment dégueu, hein? Donc, ouais. Ouais, bah oui, on va lui donner tout, y compris Kata jusqu'ici. Jusqu'ici, là. Je crois que ça passe là. Hein. Voilà. Hop. Alors, Tombouctou. Où t'es, mec? Voilà. C'est facile à reconnaître quand même. Hein. Non, parce qu'il faut avoir envie pour faire un drapeau pareil. Hein. Alors, aujourd'hui, on va dessiner le drapeau du pays. Alors, c'est la classe de CP de madame qui a été choisie pour dessiner le drapeau.
Tout à fait, tout à fait. Donc ben là, on est en train de tout donner à Tombouctou, hein, vous, si vous avez suivi. Ben, je parle, mais normalement, si vous suivez, vous n'avez pas besoin. Hein. Je parle que pour ceux qui regardent pas, en fait. Hein. Non, si vous avez des yeux. Voilà, bon, Tombouctou, c'est bon. Yao, est-ce que tu veux faire la paix avec moi? Ça m'étonnerait, mais bon, c'est jamais. Du coup, je vais les défoncer. Ça va nous occuper. Bah, ou je fais pas la paix avec toi. Hein. Oh! Combien j'ai d'absolutisme? C'est ça qui m'intéresse, hein, 95. On fait super gaffe quand même à ça. Hein. Bon, là, on est d'accord que à 64%, le fort, on n'a aucune chance de le prendre. Venise, je sens que c'est cuit, les carottes pour toi. Hein. Voilà. La Serbie, ben, il a tout ça qui ne croit pas. Vous faites quoi, là, précisément? L'anglais? T'es payé pour ça? On a une guerre secrète où on doit y délivrer l'Espagne? Où tu passais par là et tu t'es dit, je vais le siéger, le truc, d'accord. Mais c'est quoi? Les noblesses espagnoles? Pas la noblesse! Nous, en Angleterre, on déteste les... Ah bah non, en fait, ça marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Allez hop, Mzab. Ça craint. Ça craint là, on souffre, on agonise. Ouh, par contre là, ça c'est mauvais pour lui. Ça c'est très mauvais pour lui. On y va. C'est tout ce qu'on peut prendre. Mais galère. J'ai cliqué sur un truc qu'il fallait pas cliquer. Y'a quoi en Kala? Mais y'a combien de bonhommes à Tokala? Mais comment ça se fait? Parce que je les donne à Tombouctou, les trucs. Et si je donne tout à moi? Alors attends, parce que là, je donne tout à Tombouctou. Je paye quand même 39. Hein. Donc celui-là, il est pas gratuit. Celui-là, il est pas gratuit. Ça, c'est gratuit. Bon, bah, 98, c'est pas demain la veille qui va accepter l'autre, hein. Et on est là pour faire des guerres, hein, donc on va la faire. Hein. On va aller en Kala. Ah mais non, mais attends. L'outil, il va m'ouvrir ses terres, hein, parce que c'est pas possible, Zazo. Zazo, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. D'accord. Moi, je peux vraiment taper sur Warzone sans pénalité. C'est un peu la classe, quand même. Bon, vous allez quand même aller un petit peu défoncer là-bas, parce que... Il y en a marre. Quand il y en a marre, eh ben, il y a les malabars. Toi, t'es en train de chouffer les rebelles, on est d'accord, hein, parce que c'est un ordre qui fonctionne très bien. Il n'y a jamais de bug avec. Allez, on paye pour que les gens pensent comme ils doivent penser. Parce que c'est mieux quand la pensée est uniforme. On supprime toute forme de créativité. Et ça, c'est le top du top. Ça serait bien de réunir les deux idiots là. J'essaye de trouver un nom qui offensera personne, mais en fait j'arrive jamais. Ah non, vous êtes en train d'aller faire la guerre à Tombouctou là? Vous êtes vraiment pas sérieux. Hein. Ah, si vous revenez, moi je vais aller défendre mes petites parts de gâteau. Ouh, plus fertile au Congo, non mais je t'assure que ça fait du bien. Combien on doit encore? On doit plus rien, on doit 4000. J'ai même pas vu qui a remboursé mes dettes. Encore un viewer, encore à payer pour moi. Merci les gars. Combien on gagne par mois? La question que je me pose chaque mois. Combien on gagne par mois? Combien on gagne par mois? Et là combien on gagne? Et là maintenant? 350, correct. Non, non, n'allez pas par là, sérieux. Sérieux, faites pas ça. Là, vous me gavez, là. On a repoussé après. Bah oui, mais attends, excuse-moi, t'as vu tout ce que j'ai remboursé, déjà?
Ah bah oui, on est plus costaud qu'avant, hein, t'as pas remarqué? Voilà, donc si t'avais pas compris, maintenant t'as compris. Comme t'es en élevé, bah oui, parce que c'est normal, t'es en élevé. T'as des rebelles chez toi, des séparatistes de toi-même. Les soulèvements napolitains. Ils sont partis où les Tunisiens? Vous allez rentrer jusqu'où vous? Bon bah moi je vais aller voir Naples. Mais non, mais t'es con, il soude moi le truc. Non, c'est pas ça ma proposition pour aller voir Naples. Proposition pour aller voir Naples, c'est y va en bateau. Venise, ça va faire une heure, on va s'arrêter. J'aime bien aller jusqu'au bout de mes guerres, donc bon bah écoutez, on va s'arrêter dès qu'on aura pris ça. Voilà, tout est légitime dans ce que je fais. Vous en avez la preuve sous les yeux. Oh, les Anglais vont avoir du boulot. On retourne où là? On va savoir. Du coup, ah bah ça c'est intéressant. Ah bah là je suis chaud là, hein. Guarde tes bêtises. Quoi qu'on va le faire. C'est quoi? On va aller là parce que à tous les coups ils vont pas venir chercher. Ou alors on va échanger, tiens. C'est toi qui vas aller en Naples et puis lui il va aller là. Et après il descendra le temps qu'il aura trouvé, quand il aura trouvé des troupes quoi. Allez, on finit. La Serbie a fait une alliance avec Venise. Bah, plutôt la bonne idée vu que vous êtes ensemble dans la même guerre parce que vous étiez déjà alliés avant. Non mais y a pas de souci. Je peux attendre encore un tour. Les bourgeois, ils font plus effet. Ils m'ont jamais fait beaucoup d'effet, quoique. Ça fait de l'effet quand même, ça. Par contre, l'influence des bourgeois, mais c'est quoi ça? Sérieux. On va vous filer des trucs parce que là, vous me faites trop de la peine. On va vous filer plein de trucs à Venise parce que Venise, comme je l'ai expliqué, je collecte pas. Du coup, je vous file tout. Qui c'est qui n'est content? N'est toujours pas à 40? Bah non, on n'est toujours pas à 40 parce que c'est dur de monter les pauvres pour jouer à 40. Hein. Ah yeah. Alors, les bourgeois ils sont à 40, ils sont heureux. On va leur accorder un amiral, leur prendre un petit ministre, leur demander 6000 de fric. Là, on va leur demander quoi? En 723, ça va tout de suite. Ok. Avec 6000 de fric, normalement, on fait 2-3 babioles. Comment rembourser nos emprunts? Et booster notre production de fric. Bon, on fait 374, ça commence enfin à monter un petit peu. Un petit peu. 35, ok. Dernière chance. Allez, et après j'arrête. Si tu pop pas maintenant, tu popperas jamais. Ou pas, hein. On fait quand même gaffe à ce qu'on fait, ça va là. Ah bah quand même si vous l'avez fait. Bien. Allez, Venise. Allez, tu peux le faire quand même, 57, c'est genre jouable. Et non, c'était AIA. Le jeu nous a trollé. 71, désertion, super. Ok. On va se diviser ici. Et ben tant pis, je vais m'arrêter ici. Ça sera la fin de l'épisode. Je me suis dit que je ne dépasserai pas une heure. Bon. On a un petit peu avancé, on est en 18. On continue à focus le fric. La progression en Afrique, hein, ici on avance. Hein. Bien entendu, on va frapper ici prochainement. On va frapper ici, le Yémen. L'Espagne et l'Ottoman, j'y vais mollo. C'est un peu costaud. Il y a Brandebourg, Livonie, Espagne hein, qui nous reste là. Parce que bah, tous les autres, eh ben, c'est réglé. Bah, c'est un fort dont j'ai pas besoin. Je vais m'en passer volontiers. On a l'annexion de la France qui se passe merveilleusement bien. Bah alors là, vraiment bien. Et puis bah voilà. Voilà, on essaye d'avancer comme ça. Là, on va essayer de frapper un peu vers là après. Mais je vais me concentrer sur l'Afrique puisque je mets mes troupes en Afrique. Hein. Et l'Espagne parce que là, vous voyez, lui, il nous embête. Et il nous a pris des trucs. Mais ça, c'est fini. Mais il m'a pris des trucs et ça me plaît pas du tout.
Ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Les États-Unis d'Afrique, je pense qu'il va falloir aller les dégommer rapidement. Mais je dois avoir une revendication maintenant, du coup. Maintenant qu'il m'a pris des trucs. Voilà. La Plata, Louisiane, Mexique. On va pouvoir attaquer tout le monde avec tout le monde. Ça va être la fête. Ça, c'est une de nos guerres rapides. Et très prochaine. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. Je m'amuse, je m'éclate. J'espère que vous l'entendez au son de ma voix. Je vous remercie. Et je vous dis à tout de suite pour la suite.